C'est bien, c'est bien. C'est bien, vous avez choisi la nuit américaine. C'est bien, c'est très très bien. Bon, ça se passera donc aujourd'hui là-bas. Ils ne parlent que de ça aux États-Unis, vous l'avez compris. Nous en reparlerons dans nos journaux. Mais là, avec notre partenaire, le Courrier International, on va voir que... quasiment, on peut dire, la sanction est tombée, d'après le Washington Post. Ah oui, la sanction est tombée. Qu'est-ce qu'il est critiqué, le président Obama? Sa popularité est tombée à 43%. Chiffre très, très mauvais. Hein. Barack là-bas. Obama, ou là-bas, exactement. Chez nous, c'est un chez plus. Nous, ce serait c'est pas un super mal. Plus, ouais. Ce serait vraiment très, très bien. Barack Obama, premier président noir au sourire ravageur et au très beau discours, eh bien, ne fait plus rêver. Barack Obama a déçu. Les Américains attendaient finalement beaucoup de lui. Eh bien, il n'est pas du tout à la hauteur de toutes ses ambitions et des beaux discours et des promesses, de ses promesses de grande révolution. On est très loin de tout ça. Et donc, l'article du Washington Post... Alors, il faut situer aussi le Washington Post, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. C'est quasiment la Bible. C'est exactement ça. Et donc, article repris par Courrier International, ils disent exactement ça. Le président ne restera pas un grand homme d'État. Ça ne veut pas dire que sa présidence est un échec, mais il serait sans doute considéré... Il ne serait sans doute pas considéré comme un grand président ni comme un leader emblématique. Il ne sera pas non plus inscrit dans l'histoire comme le grand homme d'État que lui voulait être. Regardez. Obama, c'est vraiment une star planétaire. C'est une icône. C'est un peu le président de tout le monde. Il n'a pas tenu les promesses démesuré finalement, ou les espoirs démesurés que chacun portait en le regardant. Ladies and gentlemen, the president-elect of the United States, Barack H. Obama. Il paraît faible, hésitant sur le plan international, alors que les crises sont considérables. Il a l'air de ne pas aimer la politique. Où vraiment, il faut tordre le bras de ses ennemis, tordre le bras de ses amis, passer ses soirées avec des gens qu'on n'apprécie pas, jouer au golf avec des gens qu'on déteste. Il ne le fait pas. Tous les soirs, il dîne en famille. Il se tient loin des journalistes, loin du Parti républicain, pas très près des démocrates. Cette tâche peu glorieuse, finalement, de la politique au quotidien, on a l'impression que c'est un peu indigne de lui, à ses yeux. Obama, il a réussi à remettre sur pied l'économie américaine. Elle va bien. Tout n'est pas parfait, mais la croissance est forte, le chômage baisse tous les mois, les investissements sont là. Aujourd'hui, la présidence d'Obama, c'est un demi-succès ou un demi-échec. Sur le plan extérieur, il est apparu faible, hésitant, avançant d'un pas vers la Syrie, reculant, indécis plus ou moins face à Vladimir Poutine. Je pense que les présidents qui restent comme de grands hommes d'État, ce sont ceux qui ont fait face à des crises énormes, à des guerres essentiellement. Dans le panthéon des grands présidents américains, on cite Lincoln, on cite Roosevelt. Ce sont ceux qui paraissent les plus grands parce qu'ils ont fait face à des moments où le pays pouvait véritablement disparaître. On verra ce qui restera de la présidence d'Obama. Il restera forcément le symbole du premier président noir. Il restera une réforme de la santé qui a permis à plusieurs millions d'Américains supplémentaires d'avoir une assurance. Et c'est quelque chose que les présidents depuis Franklin Roosevelt essayaient d'obtenir. Ça n'est pas rien. C'est très, très violent, la politique à Washington. Bon, George W. Bush, on s'en souvient. Bill Clinton, que tout le monde adore aujourd'hui, il a subi quand même les pires choses. Ronald Reagan, tout le monde disait que c'était un crétin, ce qui était absolument pas vrai. Donc c'est banal, malheureusement, d'être très, très maltraité quand on est un président américain en exercice. Ce que le Washington Post ne dit peut-être pas, c'est qu'il est très maltraité, comme on vient de le démontrer aux États-Unis, mais qu'il reste quand même une star dans le reste du monde. Exactement, et notamment c'est en tout Europe. À fait ça. En même temps, quand on est président des États-Unis, on est forcément critiqué, on va forcément vous reprocher pas mal de choses, je pense. Hein. Je voudrais juste vous dire un petit mot quand même sur le livre de Nicole Bacharan et Dominique Simonet, Les secrets de la Maison-Blanche. Ah, oui, c'est vraiment écrit comme un thriller. C'est toutes les petites conversations et les grandes décisions qui ont été prises à la Maison-Blanche. Mm-hmm. Je vous le conseille, vraiment. Merci beaucoup. On reste aux États-Unis, à New York en particulier, avec une initiative pour célébrer les 110 ans déjà, le métro new-yorkais. Exactement. Et c'est la MTA qui est l'équivalent de la RATP. Ouais. Qui a ressorti les vieilles rames du métro new-yorkais, les rames d'antan, qui ont circulé pour de vrai, William. On les voit pas. Ah, si, oui, d'accord.
Attendez, je vais vous les montrer. Vous allez bien voir les bancs. Avec, bien sûr, la tenue des chefs de, du métro. Et voilà, les banquettes, les banquettes vintage. De l'époque. De l'époque. Je pense que l'initiative pourrait être prise chez nous. Oui. Voilà. Oui, je suppose que ça doit être gardé quelque part dans un musée. Ça merci. Fait du bien de l'authentique. Oui, bien sûr. N'est-ce pas? Oui, mais à tout à l'heure. À tout à l'heure. Dans quelques instants, Roland Sicard recevra Ségolène Royal.